Bonjour et bienvenue dans l'émission Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette cinquième journée dans cette semaine pour vaincre ce péché. Je peux vous assurer que le péché qui venait pour vous dominer, ce péché qui peut-être vous terrassait, vous oppressait, ça va être terminé. Vraiment, selon votre foi, si vous croyez la parole de Dieu, la parole déclare que vous êtes mort au péché et qu'il n'aura plus de pouvoir sur vous. Et dans quelques minutes, chers frères et sœurs, chers amis, nous allons prendre ensemble la Sainte Cène au nom du Seigneur Jésus-Christ et le rappel du sacrifice de Jésus nous rappelle aussi la puissance de la croix, la puissance de la croix de Jésus-Christ, la puissance du calvaire. Ah oui, là, au calvaire, le Seigneur a dépouillé les principautés, il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par cette croix. Et je remercie le Seigneur pour cette semaine. Comme vous le savez, à Prière Inspirée, nous aimons le réveil, nous aimons la gloire de Dieu, nous aimons le Saint-Esprit, nous aimons la parole de Dieu. Et dans cette semaine, j'ai voulu me focaliser sur la dimension du péché en croyant que le Seigneur appelait plusieurs à aller à l'autre rive, a comme une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension dans la sanctification, une nouvelle dimension dans la connaissance de la parole de Dieu, connaissance révélée, une nouvelle dimension dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est saint, saint, saint. Le Seigneur est trois fois saint. Et je remercie le Seigneur pour Michael, pour Frank et pour Annabelle qui ont été pour nous tous un sujet de joie et d'encouragement pendant cette semaine. Et hier, j'ai parlé de la confession des péchés. Je voudrais simplement vous rappeler ce que j'ai partagé. Jacques nous dit que quand on est dans la souffrance, on peut prier personnellement. Quand on est joyeux, on peut commencer à louer Dieu. Mais il arrive des temps où on est malade et on a besoin d'aller voir quelqu'un pour prier pour nous. Et quand le malade va prier, quand le malade va demander la prière, il est important que le malade dise toute la vérité. Parfois, il y a des gens, ils nous demandent de prier pour eux, mais ils ne nous disent pas la vérité. Et si nous demandons à quelqu'un de prier pour nous, nous devrions le faire en toute transparence, en toute humilité. Et c'est pourquoi il dit que si ce malade a péché, il lui sera pardonné. Pourquoi ? Pas parce qu'on a prié pour qu'il soit guéri, mais parce que ce malade et ce type de malade s'est approché des anciens en disant « Voilà, je suis malade et je sais quelque part en moi-même que si je suis malade, c'est parce que j'ai péché. Voici ce péché dans ma vie. » Alors, les anciens peuvent prier avec audace et avec foi, sachant qu'ils ont un avocat fidèle et tendre, Jésus-Christ, celui qui est venu détruire les accusations sataniques de l'accusateur des frères et celui qui nous a purifiés. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur Josué est là, dans le livre de Zacharie, et il est recouvert d'un vêtement sale. Le diable est là pour l'accuser. Il l'accuse. Il a un vêtement sale sur lui, c'est vrai. Il a des fautes sur lui, c'est vrai. Mais là, Dieu, le Dieu Tout-Puissant et l'ange de l'Éternel, Il vient fermer la bouche de l'accusateur. Dieu parle et lui met un vêtement blanc, un vêtement pur, un vêtement de louange. Tout à coup, les péchés, tout à coup les fautes, tout à coup l'expérience qui a été la sienne, les difficultés qu'il a pu vivre, tout à coup, ces choses-là ne sont plus. C'est dans le livre de Zacharie au chapitre 3. Voilà, il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. C'est pourquoi hier le Saint-Esprit m'a vraiment inspiré, ou avant-hier, je ne sais plus, à parler de cet esprit de condamnation. C'était avant-hier avec Annabelle, qui est sur plusieurs personnes. Hein, un véritable esprit de condamnation où les chrétiens se sentent condamnés, culpabilisés. Mais ça, c'est le travail de l'accusateur des frères. Le travail de notre Dieu, c'est d'enlever ce vêtement de culpabilité, d'enlever ce vêtement sale, d'enlever ces péchés et de nous purifier, de nous laver, de nous donner un vêtement blanc, un vêtement de louange. L'Éternel dit alors que le diable était là pour accuser le sacrificateur Josué,
Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Alléluia. Nous sommes le tison arraché du feu. Le Seigneur nous a pris alors que nous étions dans le feu. Nous étions en destination de l'enfer. Et vous écoutez peut-être cette vidéo aujourd'hui et vous êtes en destination de l'enfer. Parce que vous n'avez pas la vie en vous. Parce que vous avez peut-être attaché la religion à votre vie, mais vous ne vivez pas pour Dieu à 100%. Vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ à 100%. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous sauver. C'est bien beau d'aller prier, c'est bien beau d'avoir une Bible et de réciter des prières toutes faites et inventées par les hommes. Cela ne vous sauvera pas. Ce qui va vous sauver, c'est de donner entièrement votre vie à Jésus-Christ et de faire du Seigneur Jésus le Sauveur et le Seigneur de votre vie. En fait, il est lui-même le maître de votre vie. Abandonnez votre vie entre les mains du Seigneur. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a fait son choix. Et c'est parce que Dieu vous a choisi qu'il vous met à part, il vous met au large. Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange, signe des péchés. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » L'ange dit, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent sur sa tête un turban pur et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Et là, Dieu va commencer à parler au sacrificateur Josué et lui dire qu'il va l'utiliser pour son royaume. Je voudrais aujourd'hui proclamer une parole de pardon, une parole de libération. Si aujourd'hui vous voulez vraiment sincèrement vous repentir de vos péchés, être pardonné pendant toute cette semaine, nous avons dit que ce serait la semaine pour vaincre ce péché. Et si vous avez pris la décision de ne plus vivre dans le péché, je veux vous déclarer de la part de Dieu, vous êtes pardonné par le sang de Jésus-Christ, vous êtes libéré par le sang de Jésus-Christ. Voici la bonne nouvelle pour vous, c'est que Jésus-Christ a été, le péché est venu sur lui, il a été cloué sur cette croix, et les péchés qui étaient les vôtres, frères et sœurs, ont été transférés sur lui. Et vous qui écoutez, amis, c'est les péchés qui sont dans votre vie ont été mis sur lui à partir du moment vous acceptez Jésus-Christ, qu'il a fait, ce qu'il a accompli, et que vous ne regardez plus à vous-même, à vos propres péchés ou à votre propre capacité d'être pardonné, parce que vous ne pouvez pas être pardonné par vous-même ou par vos bonnes œuvres. Alors à partir de ce moment-là, vous mettez toute votre confiance, toute votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui lui seul a la capacité de pardonner tous vos péchés. Et à ce moment-là, vous êtes sauvé, vous êtes pardonné dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de continuer, je vais partager un témoignage d'une sœur qui s'appelle Nadège Claude. Elle dit qu'elle a vécu une expérience extraordinaire en écoutant Prière Inspirée avec moi et le pasteur Joël Spinks. Il a reçu une parole de connaissance qui disait « Il y a une femme, elle se demande ce qui se passe avec elle. » Et Dieu lui dit « Ne t'inquiète pas, le Seigneur va te revêtir de son manteau. » Et elle dit « Pendant plus d'une heure, j'étais dans la chambre de mes enfants et je pleurais et parlais en langue. On dirait que j'étais revêtu de feu. » C'était très brûlant. Oh, gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il fait au travers de vous et j'espère que comme moi, beaucoup de personnes seront transformées. Oui, c'est effectivement le cas, Nadège Claude. On remercie le Seigneur pour la puissance qu'il a déployée sur vous ce jour-là. Frères et sœurs, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous étions là pour aller dans le feu, mais le Seigneur nous réserve une place. Jésus-Christ a dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. Je vais vous préparer une maison. Il y a une maison, il y a un endroit qui est préparé pour moi dans le ciel, je le sais. Alléluia, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Une autre personne qui écrit, Jessica, elle dit, je voudrais simplement vous dire que j'ai été baptisé du Saint-Esprit à travers l'intermédiaire de votre émission Prière Inspirée. Il y avait Audrey Mac qui était là. Je suis une personne transformée grâce à vous et je fréquente aujourd'hui une église locale depuis janvier. On remercie le Seigneur pour votre témoignage, Jessica. On rend gloire à Dieu. La Bible dit dans Romains au chapitre 6, « Nous tous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ignorez-vous tous que vous avez été baptisés dans le Seigneur Jésus-Christ ?» C'est ce que disait Michael d'ailleurs lundi. C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Par le baptême en sa mort, on a donc été ensevelus avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle.
Il dit, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Toutes les passions mauvaises qui étaient dans notre corps ont été crucifiées avec le Seigneur Jésus-Christ. Je rends gloire à Dieu pour la nouvelle naissance, le jour où j'ai reçu Jésus-Christ et également le jour où je suis revenu à lui, parce que toutes les convoitises, toutes les saletés qui se trouvaient dans mon âme, qui se trouvaient dans mon corps, elles ont été crucifiées avec Jésus-Christ. Dieu me l'a révélé par le Saint-Esprit que je ne pouvais plus vivre pour moi-même, que ces choses qui étaient auparavant en moi et qui étaient là m'amenant dans des chemins que je ne voulais pas emprunter, toutes ces passions mauvaises avaient été crucifiées à la croix, clouées sur le bois de la croix. Toutes mes passions mauvaises, toutes ces passions qui étaient en moi et qui m'amenaient à faire le mal, le Seigneur m'a révélé qu'elles ont été crucifiées à la croix du calvaire. Il dit, nous savons, et j'aimerais te le dire, mon ami, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, si tu as accepté Jésus-Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oh, tu n'es pas fait pour être un esclave, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas faite pour être esclave de ce péché. Tu n'es pas faite pour être esclave de l'immoralité, de la jalousie, de l'orgueil, des orgies, de l'ivrognerie. Tu n'es pas faite pour être esclave de la chair. Oh non, pas esclave de ton estomac, pas esclave des hommes, pas esclave d'un lien particulier, d'un lien d'âme ou de je ne sais quoi, d'un esprit impur, non. Afin que le corps de ce péché soit réduit à l'impuissance et que tu ne sois plus esclave du péché. La parole est puissante. Il dit en effet, celui qui est mort est libéré du péché, ou encore, il en a fini avec le péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et c'est pourquoi l'apôtre continue, il dit, mais considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est une grande décision de consécration éternelle. De dire un jour, et peut-être vous êtes sauvé depuis longtemps, mais votre vie n'appartient pas vraiment au Seigneur. Et aujourd'hui, il vous fait un appel. Est-ce que tu veux te considérer comme mort? Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit. Celui qui voudra garder sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. Et aujourd'hui, tu dois te considérer comme mort. Mort à ce monde, mort aux choses de ce monde, c'est fini les fêtes mauvaises, c'est fini les excès, c'est fini les ivrogneries, c'est fini les films pornographiques, c'est fini les passions mauvaises, c'est fini le vol, la cupidité, c'est fini les drogues, c'est fini les souillures. Oh, alléluia, il m'a libéré, il m'a libéré en Jésus-Christ. C'est tellement puissant, c'est tellement glorieux. Alors il dit que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Je suis mort au péché, mais je suis vivant pour Christ. Je suis mort, oui c'est vrai, avec Jésus-Christ, mais maintenant je vis et c'est Christ qui vit en moi par la puissance du Saint-Esprit en moi. Et il dit, en effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Romains 6, 14. Puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Oh, c'est glorieux. Le fait d'avoir péché, c'est plus ça le grand problème. Le problème, c'est si je reviens dans le péché, si je retombe dans le péché. Ne regardez plus au péché passé. Ce qu'il faut simplement, c'est de ne pas pécher à nouveau. C'est de ne pas y retomber. Mon regard doit se porter vers ce qui est devant, pas vers ce qui est derrière. Jacques encourage et dit, mais heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, mais c'est Dieu qui me tente. Parce que non, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Frères et sœurs, il y a l'exemple de Caïn et Abel. Et Dieu a dit à Caïn, qui était irrité, jaloux de son frère, il lui a dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et c'est ce que nous avons vu avec Frank Poulin. Domine sur le péché. Et nous savons qu'il avait le choix. Et il n'a pas choisi le bon choix. Il a tué son frère.
C'est triste. J'aimerais vous dire que quel que soit le nombre de démons qui vous entourent et le nombre de malédictions qu'on a proférées contre vous, vous pouvez vaincre le péché et marcher dans une extrême sainteté. Alléluia. Quel que soit le nombre de démons qui vous entourent, ces mêmes démons entourent tous les croyants. Ces mêmes démons sont là dans le monde. Quel que soit le nombre de malédictions qui peuvent avoir été proférées, dites à votre encontre. Quel que soit le nombre de péchés que vous avez pu faire auparavant. Le nombre d'actes de sorcellerie qu'on a pu vous faire. Vous pouvez vaincre le péché et marcher dans une extrême sainteté, une extrême liberté, une entière délivrance. Vous avez le pouvoir sur le péché. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions, sans rien, que rien de ces choses ne vous fasse du mal. Choisir le mal dans son cœur, choisir d'avoir une mauvaise attitude, ça va augmenter le pouvoir d'attraction du péché. Il dit, le péché, il est là à ta porte, mais ses désirs, le péché, il y a des désirs qui se portent vers toi. Et il y a des désirs du péché qui sont là dans votre vie. Et c'est pourquoi Dieu dit à Caïn, mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage. En agissant bien, on relève la tête. En agissant mal, on regarde à ce qui est tapis par terre, le péché. On baisse la tête. La recette pour vaincre le péché, Jacques dit au verset 7, au chapitre 4. Premièrement, soumettez-vous donc à Dieu. C'est la première chose qu'il faut faire. C'est une attitude d'obéissance et de soumission. Il dit deuxièmement, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire on résiste, on s'oppose. C'est une attitude d'opposition à Satan. Troisièmement, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ici, c'est une attitude de communion. On ouvre notre cœur. On ne cache pas notre péché. On ouvre notre cœur. Quatrièmement, nettoyez vos mains, pécheurs. Ça, on nettoie sa vie. C'est une attitude de changement extérieur. À l'extérieur, on enlève les choses à la maison. Enlevez les choses à la maison qui sont mauvaises. Enlevez les choses dans votre vie. Enlevez peut-être les habits que vous portez qui sont mauvais et revêtez-vous d'habits nouveaux. Puis il dit, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ça, c'est une résolution sincère de nettoyer son cœur. C'est maintenant, non pas une attitude extérieure, mais une attitude de changement intérieur. Il dit, sentez votre misère. Ça, c'est une juste appréciation de notre misère spirituelle par rapport au péché passé. On a dit, on ne fixe pas les yeux sur eux, mais à un moment, on doit se dire, mais comment j'ai pu vivre dans ces choses-là? Comment je peux vivre dans ces choses-là? Et là, on se dit, non, c'est pas possible. Là, c'est une attitude d'introspection devant le péché en nous. Comment sentir la misère? Il dit, soyez dans le deuil et dans les larmes et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Et ça va être le fruit que produit l'introspection, le regret face à son péché. C'est une attitude de repentance. Donc, on se soumet à Dieu. Oui, Seigneur, c'est vrai. Je viens à toi, je me soumets à ta parole. On résiste à Satan. Tu n'auras pas de pouvoir sur moi. Maintenant, on s'approche de Dieu. D'un cœur entier, on ouvre notre cœur. Ensuite, on nettoie nos mains. Tout ce qui est extérieur, tout ce qui pourrait nous faire tomber, on enlève, on enlève, on enlève. Ensuite, on purifie l'intérieur de la coupe. À l'intérieur de nous, on change intérieurement. On prend une résolution intérieure. Ensuite, on sent notre misère, on se dit, mais quand on va à l'intérieur pour faire du nettoyage, c'est là que, comment j'étais, pourquoi j'avais cette jalousie, pourquoi j'avais ce mal? Il y a des choses, il y a des gens, vous vivez des choses et vous les laissez en vous, mais maintenant vous devez sentir votre misère. Comment je peux haïr alors que j'ai tant été aimé? Comment je peux voler alors que tout appartient à mon Dieu? Glorieux Jésus-Christ. Ensuite, vous pleurez, vous repentez, Seigneur, pardonne-moi. Ensuite, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et là, vous vous tenez devant la croix du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur trois fois saint dans une attitude d'abaissement profond. C'est ça, de s'humilier devant le Seigneur. Dans l'abaissement profond, alors que vous pleurez, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Toi qui es trois fois saint, comment j'ai pu vivre
et déshonorer le temple que je suis, déshonorer ta maison. » Et ensuite il dit, « Ne parlez pas mal les uns des autres frères. » Et tout ce que cela va produire dans notre vie, cette véritable repentance, produira une attitude nouvelle, une attitude de douceur, d'amour et d'humilité. Voyez-vous, pour être libéré du péché, la Bible parle, premièrement, de Dieu, se soumettre à Dieu. Deuxièmement, de Satan, résister à Satan. Mais troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, septièmement, huitièmement, neuvièmement, la Bible parle de nous, notre responsabilité. C'est nous qui choisissons, frères et sœurs. C'est nous qui choisissons. C'est votre choix. Alléluia. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce temps de prière, je voudrais vous encourager, là où vous êtes, si vous avez peut-être du jus de raisin, du vin, quelque chose à la maison que vous pouvez prendre. Si vous n'avez rien, vous pouvez prendre un jus d'orange, peu importe, ce n'est pas très très important. Ce qui est important, c'est le symbole. Jésus-Christ a dit, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Aujourd'hui, Dieu veut amener quelqu'un à la nouvelle naissance. Dieu veut sauver la vie de quelqu'un. Et il dit, mais si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Maintenant, frères et sœurs, prenez, si vous avez la possibilité, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre une pause. Le sang de Jésus-Christ. Glorieux Jésus-Christ. Glorieux Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et si vous avez pris la décision aujourd'hui de vous repentir de votre péché, de dire non au péché, demandez maintenant pardon au Seigneur, sincèrement. Et prenez ce corps, ce qui représente son corps. Seigneur, merci parce que ton corps a été meurtri pour que je sois complètement libre du péché. Alléluia. Le corps de Jésus-Christ, rompu, meurtri pour moi, pour que mon corps vive dans la sainteté. Pour que mon corps devienne le temple du Saint-Esprit. Pour que mon corps devienne un sacrifice de bonne odeur pour le Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ dit, ceci est mon sang, la coupe de l'Alliance, mon sang qui est répandu pour tous les hommes. Faites ceci en mémoire de moi. Parce que toutes les fois où vous le boirez, alors vous rappellerez ce qui s'est passé et le fait que je viens. Le Seigneur vient bientôt. Là où vous êtes, vous pouvez prendre ce que représente le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est puissant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. Glorieux Jésus-Christ. Je déclare la présence de Dieu sur vous maintenant. Puissance du Seigneur dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit.
Que la présence de Dieu vienne sur vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merveilleux Jésus-Christ. Je t'aime. Je t'aime. Oui, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es glorieux et tu es merveilleux. Tu es fidèle et véritable. Tu es le roi de gloire. Ô merveilleux Jésus-Christ, digne est l'agneau, tu es tellement glorieux. Digne est l'agneau, tu es tellement saint, trois fois saint. Père, je prie maintenant que ta présence remplisse le cœur de tous ceux qui écoutent. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit maintenant. Sa présence est là. Maintenant, le Seigneur pardonne. Maintenant, le Seigneur libère. Maintenant, le Seigneur remplit du Saint-Esprit. Il opère maintenant par le Saint-Esprit des délivrances et des guérisons. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous ayez la vie en vous-même. Alléluia. Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez la guérison. Recevez la libération. Oui, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Vous êtes fort et le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Et vous pouvez le déclarer avec joie. Mettez maintenant une chanson, un chant d'Hosanna, par exemple, sur MCI TV. Allez sur YouTube, sur EMCI TV, Hosanna, un chant de réjouissance et commencez à vous réjouir dans le Seigneur. Allez-y, vous allez vivre des temps extraordinaires. Je sais et je ressens que plusieurs personnes, vous allez vivre maintenant même un temps de réjouissance, un temps d'onction. Les larmes vont couler. La gloire de Dieu va vous envahir. La présence de Dieu va venir sur vous. Remerciez le Seigneur de tout votre cœur. Que la gloire du Seigneur vous remplisse, chers frères et sœurs. Vous êtes forts devant le Seigneur. Vous êtes aimés de Lui. Frères et sœurs, je vous dis à bientôt dans Prière Inspirée. Passez un excellent week-end dans la présence de Dieu. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit qui vous aime. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1000 euros ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.